Bonjour Abdoulaye. Bonjour Oumi. Merci de nous accorder cette entrevue exclusive et bienvenue à Dakar. Merci infiniment. Dakar est une ville qui vous aime, hein? J'espère que vous l'aimez autant qu'elle vous aime. Ah, j'aime Dakar beaucoup, beaucoup, énormément. En tout cas, bravo. Abdoulaye, en 96, vous êtes reparti de Dakar avec le Grand Prix de la Biennale et vous revenez 26 ans plus tard comme celui à qui cette grande rencontre internationale rend hommage. Comment vous viviez tout ça? C'est un grand honneur, vraiment. Et j'ai eu la proposition avec une très grande surprise. Et en même temps, c'était une sorte de défi pour moi de revenir après quelques décennies et de revenir, je ne sais pas, pour montrer l'évolution de mon travail. Je ne veux pas être un exemple pour les autres. Je veux juste être, garder ma particularité pour que les autres puissent développer leur style, leur manière de faire, leur langage et leur personnalité. L'actualité géopolitique de cette zone dans laquelle nous vivons a marqué vos derniers travaux. En tant que Malien, comment vous vivez tout ce qui se passe dans le Sahel? Ce qui se passe dans le Sahel est un drame. C'est un drame humain. Nous avons connu des drames au niveau de l'écologie, des grandes sécheresses qui ont traversé le Sahel. Mais ce que nous vivons aujourd'hui est un drame non seulement social, il est politique et il est économique. Nous sentons que notre zone est devenue une partie de lutte géopolitique immense, de lutte religieuse et avec des armes de guerre, des drames humains qu'on ne peut pas imaginer, qu'on était loin de penser que ça allait arriver en Afrique, pas seulement dans le Sahel, mais en Afrique. Ce drame vous a inspiré une très belle série, très forte. J'imagine que vous auriez préféré ne pas la faire, cette série. Absolument, absolument. Ce n'était pas du tout pour moi souhaitable. Mais je travaille beaucoup sur la souffrance humaine et j'ai vu des choses dans le Sahel. On sentait venir, il y a peut-être quelques décennies, par la multiplication des écoles coraniques avec des idées extrêmement dangereuses qui ne sont pas seulement religieuses, mais qui, on sentait, c'était des idées qui voulaient dominer, pas seulement le Sahel, mais qui voulaient dominer le monde. Or, je pense que la religion, elle est nécessaire pour la société, n'est pas une religion imposée par les armes. Au-delà de l'inspiration très douloureuse, très torturée que cette situation vous offre, est-ce qu'elle elle influe aussi sur votre vécu en tant qu'artiste? Absolument, ça a une influence pas seulement pour moi seul, mais pour beaucoup d'artistes de la zone. Nous voyons des déplacements énormes de population. Donc, qui vont changer de mode de vie, qui vont changer de système de fonctionnement sur le plan économique, sur le plan éducatif. Pour l'art, pour les artistes, c'est un drame aussi. Nous savons que l'idéologie religieuse qui est derrière toute cette partie-là, c'est la destruction totale de notre culture pour imposer une autre forme de culture. Et là, c'est dramatique pour les artistes. Beaucoup de manifestations culturelles ont été annulées dans cette zone. Absolument. À cause de tout cela. Absolument, absolument. Ensuite, on vient de sortir de deux années terribles de pandémie. Comment se fait la reprise? Est-ce que vous avez senti un sursaut de résilience au sortir de ces deux années de pandémie? Oui. C'est vrai qu'on a l'impression que cette zone a eu une succession de drames. Nous avons ce drame dont on a parlé, mais après est venue la pandémie, avec la fermeture des frontières, pas d'exposition, pas de production presque, pas de vente. Et on a vu que
Grâce au fonds africain que nous avons créé, nous avons senti qu'il y a des artistes qui n'arrivent même pas à payer la location de leur zone, de leur atelier, donc ne peuvent pas payer même l'électricité. Et je pense que c'était des années très dures pour la création africaine. Parlons justement de ce fonds. Pourquoi l'avoir lancé? Le Fonds africain pour la culture est une idée qui a germé lors d'une rencontre aux Seychelles et qui était gérée par Mahmoud Afé, qui est le directeur, le président du festival Fleuve sur le Niger à Ségou. Et de là, tous les artistes qui ont participé à cette réunion, à cette formation aux Seychelles, chacun a voulu faire un geste en donnant une ou deux ou trois œuvres. Donc le fonds est parti de là et on a fait un appel à d'autres artistes du continent, mais aussi d'Europe et de l'Amérique latine. On a eu à peu près 35 artistes qui ont participé à cette donation. L'idée du fonds, c'était d'aider les jeunes artistes créateurs, qu'ils soient du secteur des arts plastiques, de la musique, de l'ensemble, je parle de l'ensemble de la création, comment ces artistes qui arrivent à vendre peuvent aider les jeunes à émerger, à travailler pour que peut-être acheter du matériel, payer, je ne sais pas, des problèmes d'administration, mais aussi les aider dans le système de production des œuvres. Et ce fonds aide aussi, je vais dire, les organisations qui s'occupent de la culture, notamment les galeries, notamment les opérateurs culturels. Et c'est un fonds qui voit très large. Pour le moment, on n'a pas de limite sur notre participation pour aider les artistes. Et est-ce qu'à partir de Dakar, à partir de cette biennale, de nouveaux jalons ont été posés vis-à-vis de ce fonds? Oui, on a eu la chance de rencontrer le ministre de la Culture du Sénégal et lui proposer une collaboration avec l'administration du Sénégal et aussi voir comment les différentes administrations des pays africains peuvent faire une contribution à ce fonds-là. Donc nous pensons que Dakar va être un point de départ, et surtout que notre président ici est aussi le président de l'Union africaine. Nous comptons énormément sur les présidents pour leur engagement pour la culture. Revenons-en à la Biennale de Dakar qui nous réunit aujourd'hui. Elle a dépassé le cap de ses 30 ans. Cette biennale, vous l'avez connue, tant dans le in que dans le off, plusieurs fois. Comment voyez-vous son évolution au fil des ans? Nous pensons qu'il y a une évolution, mais nous souhaiterons que la biennale ait un programme à long terme et avec des objectifs plus ou moins précis. Qu'est-ce que la Biennale souhaite pour la culture africaine, pour les artistes africains, et que par des étapes d'organisation, on arrive à dépasser petit à petit des objectifs que l'administration de la Biennale va se poser pour atteindre selon des décennies qui viennent. On voit que la Biennale met beaucoup d'accent sur la nouvelle création. La Biennale met aussi beaucoup d'accent sur l'arrivée des collectionneurs, des galeries, et on sent qu'il y a un travail aussi qui est fait pour que le marché de l'art au niveau de l'Afrique émerge. Ça, c'est des objectifs qui sont louables, mais qui méritent d'être beaucoup plus structurés, et avec des points à atteindre d'une Biennale à une autre. Alors, vous qui avez connu la Biennale il y a presque 30 ans, comment vous la voyez dans les 30 prochaines années? Je vois, j'imagine que ça va être un changement radical. Quand on sait que grâce à la Biennale,
beaucoup d'artistes aujourd'hui sont sur la scène internationale, que les prix des œuvres a augmenté, a changé radicalement. Nous pensons que dans les prochaines années, ou que nous souhaitons que dans les prochaines années, que l'Afrique soit un marché important pour l'art. Et nous pensons que la Biennale a les moyens d'arriver à ça. C'est tout le mal qu'on vous souhaite. En tout cas, merci beaucoup Abdoulaye Konaté de nous avoir accordé cette entrevue. Et bravo encore pour ce très bel hommage que vous rend la Biennale 2022. Au plaisir de vous retrouver sous d'autres cieux pour d'autres expos. Merci infiniment, merci beaucoup. Merci.